flags up in the sky. Parti pour le Mondial 2014, les fans de football auront à compter de ce jour 64 matchs à suivre. Le stade Arena Corinthians de Sao Paulo accueille la cérémonie marquant l'ouverture officielle de cet événement planétaire tant attendu par les grands fans de football. Aujourd'hui, à 22h, heure malgache. Une grande cérémonie en la présence de près de 54 000 spectateurs. Cette cérémonie qui prime à bord de la compétition avant le premier match Brésil-Croatie. Mais tout d'abord, bonsoir à tous et bienvenue dans Viva Événement. Voici les principaux titres de ce journal. Les 119 fauquetins de la capitale ont un projet de loi concernant leur statut exact au sein de la commune et du ministère de l'Intérieur. Les éléments de la gendarmerie nationale ont décelé le plus grand réseau de trafiquants d'armes à Tamatave la semaine passée. Partie de Massoual en direction de Mananaravarage dimanche dernier, aucune trace du bateau Bienvenue 1 n'a été retrouvée jusqu'alors. Et sur la scène internationale, Joseph Stepp Blatter affrontera Michel Platini en 2015 à la course pour la présidence de la FIFA. Qui des 32 pays en course pour la Coupe du Monde 2014 la remportera d'ici un mois. Comme les 3 milliards de spectateurs et téléspectateurs dans le monde, les Malgaches ont aussi leur pronostic. Là-dessus, je vous invite donc à les écouter au micro d'Anna Muriel. Brésil aura la Coupe car la plupart des joueurs professionnels sont dans l'équipe brésilienne. Outre ce professionnalisme, je choisis le Brésil car c'est la nation organisatrice cette année. Pronostic de qui remporte ce mondial 2014 ? Ce sera l'Espagne. J'aime l'équipe espagnole car elle est composée de plusieurs jokers, comme Xavi ou David Villa. Si ce n'est pas pour le Brésil, la France l'emportera. J'aime particulièrement ces deux équipes. D'abord pour leur professionnalisme et le Brésil en prime, car pour moi, c'est la meilleure équipe au monde. Et nous partons en Brésil, la planète foot. En ébullition, tous les regards sont tournés vers le Brésil, plongés dans une drôle d'ambiance depuis le début de cette journée. Un mélange de fêtes du football et de grâce sociale. La Terre Sainte du football en fête, appréciée avec France 24. Dans les rues de Sao Paulo, l'heure est à la fête. On se prépare pour le match d'ouverture Brésil-Croatie. Et pour certains, le moment est venu de profiter de cet événement unique. Beaucoup de Brésiliens pensent que l'argent du mondial aurait dû être investi dans d'autres domaines. Mais moi, en tant que fan de football, je ne peux pas résister au charme de la Coupe du Monde. Je vais en profiter un maximum. À quelques heures du coup d'envoi, bonne nouvelle pour les supporters. Ils pourront se rendre au stade sans encombre. Les employés du métro ont finalement décidé qu'ils ne feraient pas grève ce jeudi. Mais le conflit n'est pas terminé pour autant. Les travailleurs entendent continuer leur combat. Nous avons fait 5 jours de grève. Nous sommes épuisés. La répression policière a été particulièrement forte. Et des travailleurs ont été mis à la porte. C'est normal qu'on s'arrête un peu. On va préparer de nouvelles actions pendant la Coupe du Monde. Les autorités brésiliennes sont donc loin d'en avoir fini avec la grogne sociale. D'autant que la ville de Rio est elle aussi touchée. Une partie du personnel des aéroports de la capitale a annoncé une grève de 24 heures. Toujours dans le cadre de la Coupe du Monde, qui est devenue, disons, un événement familial, d'ordre familial pour les Malgaches, comment les fans de football à Madagascar se préparent-ils à accueillir cet événement planétaire ? L'enquête est signée Zoura Mialsou, Yves Janel. Emmanuel est un grand fan de football. Il va pouvoir apprécier les matchs de foot à la télé durant cette Coupe du Monde 2014. Aucune dispute pour les chaînes de télé n'est prévue chez lui. Le foot sera la priorité de chacun comme tous les 4 ans. Des machines à révèle.
Puisque certains matchs passent tard dans la soirée, nous mettons des réveils qui sont surtout nécessaires pour les autres membres de la famille, car moi, je préfère attendre en restant éveillé, même jusqu'à 3 heures du matin. Cette fois-ci, l'ambiance sera meilleure car la famille vient de s'offrir un nouveau téléviseur pour l'occasion. Avant, on avait une petite télé et une grande aussi, mais d'anciens modèles. On s'est offert récemment cette nouvelle télé, alors je suis sûr que l'ambiance sera au rendez-vous. Un programme bien défini durant tout un mois pour les familles malgaches comme celle d'Emmanuel. Ce sera match de foot pour les grands fans de ce sport, sans oublier les grands paris aux équipes gagnantes pour les jeunes. Pour nous, les paris sur les équipes gagnantes se feront au jour le jour à chacun des matchs. Bien sûr que je parierai puisque j'ai mes équipes favorites. C'est amusant de parier, pas de grands paris, juste des petits paris pour s'amuser. Les équipes de l'Amérique latine sont les grands favoris. Malgré la distance, le mondial est un événement captivant pour les malgaches. Et tout de suite, la suite du programme au Mondial 2014. Le premier match de la compétition sera un face-à-face Croatie-Brésil dans le groupe A, tout de suite après la cérémonie d'ouverture. Ouvrons à présent une toute autre page d'actualité. Le bateau Bienvenue 1 reste introuvable jusqu'à présent. Parti de Massoual en direction de Mananaravaj dimanche dernier, aucune trace de Bienvenue 1 n'a été retrouvée jusqu'alors. Que lui est-il arrivé? Nul n'est encore dans la possibilité de donner une réponse à cette question. En attendant, Zoramian Chsu et Nzaranjian Tsu ont enquêté sur ce mystère. Un bateau normal selon la description des autorités maritimes, Bienvenue 1, est parti du port de Massoual dimanche dernier, avec comme destination finale le district de Mananara Nord. À son bord, en plus des 4 équipages, 10 autres passagers et des cargaisons de planches. D'après les explications, Bienvenue 1 aurait passé son test avant le départ. Tous les bateaux prêts à quitter le port, tous sans exception, font l'objet d'une visite de partance. Cette visite concerne la régularité des papiers, de l'état du bateau en général, du nombre de personnes à bord et de la quantité de marchandises transportées. Mais même si les papiers sont complets, le moteur peut tomber en panne à tout moment, comme les voitures. Et on ne peut pas empêcher d'éventuels accidents en mer, surtout par rapport au moteur, qui est souvent le problème de la majorité des navires. Accident ou détournement, cela fait 4 jours que Bienvenue 1 a disparu. Même les autorités maritimes et fluviales n'arrivent pas à avoir plus d'informations sur lui. Toutefois, le directeur général de la PMF rassure, une enquête a déjà été ouverte. Ignore où il est et ce qui lui est arrivé pour le moment. Même si un bateau l'aurait croisé, celui-ci n'est pas forcé de le remarquer et surtout de remarquer qu'il est en difficulté. Enquête et recherche, les autorités compétentes restent toutefois handicapées par le manque de matériel adéquat. Jusqu'à présent, nous ne disposons d'aucun radar, explique la PMF. S'ajoute à cela l'insuffisance de l'équipe de recherche. Le ministre de la Défense a apporté des explications concernant la circulation d'armes à feu non déclarées dans le pays. Il a aussi réitéré que de nombreux réseaux de trafiquants sont à l'origine de ce trafic d'armes à feu. Le gouvernement ne restera pas les bras croisés face à ce problème qui commence sérieusement à prendre de l'ampleur. Suivez ce reportage d'Anna Muriel et Nzaranjian Tsu. Les éléments de la gendarmerie nationale suspectent un grand réseau de trafiquants d'armes à l'origine de ces milliers d'armes à feu arrivées illégalement au port de Thomassen. Le ministre de la Défense a confirmé aujourd'hui l'existence de ce réseau. Les enquêtes sur les trafics d'armes à feu se poursuivent du côté des forces de l'ordre.
Ce dont on est sûr, c'est que les trafics d'armes prennent de l'ampleur. Les mesures prises à l'encontre de ces trafics existent et sont même sous ordre du président de la République, à l'exemple des affectations de certains fonctionnaires pour le bien de tous. À quoi ces armes à feu sont-elles destinées? Selon les enquêteurs, les armes introduites illégalement au pays fructifient les actes de banditisme, surtout dans le Grand Sud. Aussi, elles seraient destinées à la préparation d'un coup d'État. Des propos que le ministre n'a ni confirmé ni démenti. Je ne certifierai pas l'existence de ce coup d'État. De toute façon, faute de preuves, les polémiques comme ça existent souvent pour effrayer la population. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en train d'étudier les changements nécessaires pour mener à bien cette 4e République qui vient de commencer. Une enquête est actuellement en cours concernant les rumeurs comme quoi un coup d'État se prépare. Dans le cadre de cette polémique, le colonel Roger Luc a été auditionné depuis peu. En termes de relations internationales, une cérémonie destinée à la célébration de l'anniversaire de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, s'est tenue aujourd'hui à l'ambassade de la Grande-Bretagne à Madagascar. La coopération malgacho-anglaise date de plus de 2 siècles, surtout dans le secteur commercial. Une cérémonie en présence du gouvernement malgache en la personne du ministre des Affaires étrangères. Voici un aperçu du discours de Madame le ministre Arsour Azafchin. Le volume des échanges annuels entre Madagascar et le Royaume-Uni est estimé, selon les chiffres du ministère du Commerce, à 70 millions d'euros. Madagascar exporte vers la Grande-Bretagne du textile, l'habillement, des produits agricoles et les produits de la pêche, des huiles essentielles. En retour, la Grande-Bretagne exporte sur Madagascar des équipements, de la machinerie, des véhicules, des boissons et des produits chimiques. Il sied ainsi de souligner que la balance commerciale est excédentaire en faveur de Madagascar au cours de ces 5 dernières années. Je vous donne les taux de couverture, respectivement en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. Ils s'élèvent à 186%, 81%, 222%, 135% et 110%. Et sur une toute autre forme d'actualité, les 119 octanes de la capitale sont confus. Ils revendiquent un appui et de la commune et du ministère de l'Intérieur à travers un projet de loi. Tourakoun Javouni nous apporte les détails. Organe déconcentré de l'État ou collectivité territoriale de base, le débat est lancé par les chefs octanes. Quel statut pour ces premiers responsables auprès des quartiers ? Rédigé par les chefs octanes eux-mêmes, un projet de loi a été proposé. Parmi les points clés, le statut particulier des quartiers. L'article 152 des SADSI, collectivité. Dans l'article 152, le Fouctan n'est même pas une collectivité. Alors on propose un rattachement avec chaque commune selon leur catégorie, bien sûr. Un rattachement qui contribuera au développement rapide de la capitale, car elle permettra la décentralisation effective. Statut particulier, l'idée est bien perçue par la population. Bon nombre de citoyens la soutient. Pour eux, les électeurs inscrits dans le quartier doivent choisir librement leur chef Fouctan. Et le Fouctan doit bénéficier d'un budget autonome. En gros, l'autonomisation des Fouctan. Les chefs Fouctan doivent être élus de manière démocratique par les habitants de chaque Fouctan. Moi, je suis résident du Fouctan El Arbi. Je sais ce que je dis. Il faut remplacer la nomination du chef Fouctan par une élection. Ça améliorera bien des choses.
En ce qui me concerne, je suis pour l'idée d'organiser l'élection des chefs Ouktan. Je suis sûr que ça peut contribuer à mener à bien les affaires internes de l'État. Le projet de loi élaboré par les chefs Ouktan est désormais entre les mains de la commune. En attendant, les chefs Ouktan réclament le paiement de leurs indemnités, impayées depuis près de 8 mois. Et sur la scène internationale, sachez que l'actuel président de la FIFA ou Fédération internationale de football, Joseph Sepp Blatter, a annoncé lors de son discours de clôture du congrès de la FIFA à Sao Paulo qu'il est prêt. Il est partant pour un 5e mandat en 2015 face à l'inoubliable numéro 10, Michel Platini, actuel président de l'UEFA. Voilà, Viva Événement, c'est fini. Pour aujourd'hui, je vous remercie de votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.